Ah, ben c'est bien, Jean-Charles. Je vois que t'as un ticket et qu'en plus, tu l'as validé. Ouais, ça va, j'ai plus 10 ans. Ben n'empêche que ça t'a pris du temps pour comprendre quand même, hein. Bon, attends, y a pas que moi qui triche. Même les personnes âgées, des fois, elles trichent. Je l'ai vu. Tiens, ma grand-mère, elle a 85 ans. Oh, tu sais, à mon âge, là, ce qu'elle me dit. Non, non, mais ma parole, c'est une histoire de famille. Ta grand-mère, elle paye pas le bus. J'y crois pas, là. Non, mais attends, elle paye des impôts? La moitié de la rue où elle habite lui appartient. Ah oui, ah, bah, donc elle a les moyens de payer le bus. Parce qu'il faut savoir quand même que pour les plus de 65 ans qui ne payent pas d'impôts, c'est gratos. Ah bah là, pour ma grand-mère, il n'y a pas de souci. Mais tiens, l'autre jour, je prends le bus avec elle. Bon, moi, tu me connais, je sors un ticket, je le valide. Mmh. Et ben elle, rien. Et je lui dis, ben mémé, t'as pas de ticket? Elle me dit, oh, tu sais, hein, pour 300 ou 400 mètres, là, ce qu'elle m'a répondu. Non mais j'hallucine, là. Eh ben, elle est jolie, la vieillesse. Et toi, tu pouvais pas lui donner un billet à toi? Ah, parce que bon, j'en avais plus sur moi. Ah, sinon, tu me connais, hein. Ouais, ouais, ça va. Et ben ta grand-mère, tu lui diras que le bus, ça se paie aussi. Même à 85 ans. À mon âge, elle est bonne, celle-là. Et si on arrêtait de payer les retraites à partir de 84 ans, qu'est-ce qu'elle dirait, mémé? On pourrait lui faire le coup? Oh, on paye plus votre retraite, hein. Ça vaut plus le coup, à votre âge. Je sais pas si elle aurait trop le sens de l'humour là-dessus. Oui, bah, ça ne fait pas rire quand on est concerné, c'est bien connu. On ne rit que des autres. Mais parfois, faut avoir le courage de se regarder dans la glace. Ah, tu sais, moi, j'étais... Oui. Bon, ça va. Ouais. N'en fais pas trop, hein. Et puis, tu lui diras aussi que le coût des 400 ou 500 mètres, ça tient pas non plus. On va quand même pas se mettre à faire des tickets au kilomètre. Non, tu sais quoi? La semaine prochaine, c'est son anniversaire. C'est ce que je vais faire? Non. Je vais lui offrir un abonnement Twisto. Ah, ben voilà, ça c'est une bonne idée. Et puis comme ça, ta grand-mère, elle risquera plus de se taper la honte devant tout le monde à un prochain contrôle. Top là.